parce que... Mais oui, bien sûr, moi parti. Mais qui elle est, celle-là? Oubliez-moi, passez là-bas. Et c'est pour ça. Boulevard Voltaire, vous êtes classé plutôt à droite. Hein. Mais enfin, ça va pas! La République, c'est moi! Oh, quel hasard! Debout! Silence pour la France! Vous m'avez manqué! Quelle indignité. Ceci est moi, en robe. Comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, vous êtes obligé de passer le micro sous la robe. Je vous fous à moitié à poil dans cette vidéo. Est-ce que vous savez comment s'appelle ce micro? Ça s'appelle un micro cravate. Et donc, c'est peut-être que c'était un micro qui était fait par les hommes, parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de femmes qui portent des cravates. Et donc, c'est des micros qui sont faits pour être portés sur des vestes. Les micros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sexiste. Dans notre bataille de la campagne de 2024. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici. Okay. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. Tu pars de chez moi s'il te plaît. Ouais. Allez. La porte. Yes. Clac. Bah, je pense que j'ai touché un point sensible en tous les cas. Et donc ça veut dire que j'ai... Moi j'ai l'impression des fois d'être un peu comme un ostéopathe qui touche les points qui sont bloqués dans le corps social. Là. Et là je pense que j'ai touché un point sensible. Ouais. La place de la femme c'est à la cuisine. Et tu peux avoir tes diplômes, c'est bien. Dans les normes des choses, avec tes diplômes, ta place c'est à la cuisine. Chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a des ordres. Moi, j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Nous avons notamment des situations de sécheresse, évidemment, en France, mais nous avons aussi des situations de sécheresse dans les océans et dans les mers, ce qui est extrêmement dramatique. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Allô? Non mais allô quoi? Allô? Je sais pas, vous me recevez? It's no longer 1937 and we absolutely wrote a Snow White. She's not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Moi, je suis noire. Je ne pense pas, je le suis. C'est-à-dire que je suis née en Afrique, je suis africaine. Ça ne se voit pas. Donc forcément, c'est embêtant.